Hello, it's Amy. Je vais faire un make-up pour la première fois. Ceux qui me connaissent, vous savez que c'est pas trop mon délire. Voilà, je connais mode, je connais sport, je connais réseau, je connais montage, mais make-up, je connais pas. Donc voilà, donc je vais faire un maquillage pour la première fois, comme vous avez vu dans le titre. Je vais m'inspirer de ce make-up là, j'essaie de faire ce résultat. Du make-up de Yanissa, voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai cliqué, je l'ai regardé 3 fois pour. De prendre la main, mais quand je regarde le truc et tout, je vois le résultat, je me dis je pense pas que je suis capable de le faire, mais on va essayer quand même. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo make-up, même malgré que je n'ai pas mis ça sur mon CV, on va dire. Moi le make-up, bah, ça fait 2 fois, je ne connais pas trop, donc là on va essayer. Je vais reproduire son make-up, je vous mets la vidéo à côté. Surtout avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos de ce type, etc. Abonnez-vous et likez. Si pendant la vidéo, commentez, voilà, réagissez en même temps que vous regardez cette vidéo. Comme ça, j'ai envie de voir un peu vos réactions en direct. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc, pour commencer la vidéo, pour commencer le make-up, j'ai peur de vous apprendre. Je vais commencer par m'attacher les cheveux. J'espère que je vais pas salir mon haut blanc parce que je prends un risque. Voilà. Si vous voulez mon outfit complet d'ailleurs, ajoutez-moi sur TikTok et sur Instagram. Dessus, je mets des outfits dessus et aussi sur mon Snap. Donc là, je vais commencer la vidéo. Donc je vais commencer par regarder avec vous. Je vais essayer de la mettre ici, là, dans le carré. Oula, comment on augmente le son? Je vais ignorer le début parce que c'est pas très intéressant. Je vais passer le début parce que un peu ça. Ma petite crème hydratante de chez Charlotte Tilbury. C'est une marque qui est récemment entrée chez Sephora. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment cette crème. Elle va commencer par appliquer une crème sur le visage que je n'ai pas sur moi. Donc, elle commence par appliquer une crème, enfin un truc pour hydrater son visage. Donc, moi, la crème que j'utilise, que je vous ai montré d'ailleurs dans la dernière vidéo, que je vous mets juste ici. Donc, c'est celle-ci. Oula, comment ça? C'est celle-ci, c'est une crème de Yves Rocher, voilà. Moi, je sais pas le focus comme elle. Donc voilà, je la mets sur mon visage. Elle applique vraiment... elle en met vraiment beaucoup. Oula, comment dire. Et donc, là. Maintenant j'ai brillé là, je pense que j'en ai mis un peu trop. Bien sûr, il faut mettre la crème sur les yeux. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle met sur le cou aussi. Maintenant elle va mettre une base. Donc moi j'ai pas celle qu'elle utilise, donc elle utilise celle de chez Fenty Beauty. Moi j'ai utilisé celle-là de chez Black Up. Qu'elle a mis sur sa main. Voilà. Donc je galère. Donc elle en met comme ça. Donc elle a plus que ça avec les mains. Je crois que c'est là le matifiant. Je sais pas. Voilà.
Donc maintenant elle applique un fond de teint. Donc moi si je vais prendre celui de ma mère, je sais pas si c'est ma teinte. On va voir. Donc c'est celui-là. Attendez, j'en ai besoin un peu. Donc c'est celui-là. C'est celui de Esther Lauder. Voilà. Elle va l'utiliser. On va tester en forme. Excuse-moi, pour mon coup. Peut-être. C'est un peu clair, je pense. On va essayer. D'abord, elle fait ses sourcils, mais on va passer cette étape parce que moi, j'ai les sourcils, je trouve, déjà assez tracés. Donc, elle en met. Comment je mets ça? Donc j'en mets. J'utilisais ce pinceau de chez. Il n'y a pas écrit. Donc j'ai utilisé un pinceau comme ça. Elle utilise un beauty blender. Non, en fait, non, j'ai utilisé le beauty blender. Voilà, celui-là. Donc j'en mets dessus. Si ça sort. Oh my god, je fais n'importe quoi. Elle fait comme ça. On met là. Oula, c'est clair. On met là. Après elle tapote. En fait, je sais que pour vous ce sera pas un problème, mais pour moi le problème c'est que c'est naturel. Genre, ça fait peau. Enfin, oh, ça va. La couleur elle est pas très. Ça fait peau marquée. Là, ça fait super naturel. Donc, en fait, c'est pas un inconvénient, mais pour certains make-up, j'aimerais que ça passe vraiment dans ma vie. En vrai, c'est plus clair que ma peau, mais ça va. Alors, c'est pas choquant. Ça veut dire que je me dis, ouais, parce que là, je prends grave du temps. Ah, voilà, c'est de l'anti-cerne de Lancôme. Voilà, elle utilise Conceal and Define. Le Makeup Revolution. Et ben, moi, c'est celui de. Lancôme teint Idol Ultra Wear camouflage numéro 10, c'est une numéro 10 praline. Oula, elle c'est un pinceau ton truc. Moi c'est oula. Moi c'est ça. Donc elle en met là. Et là, donc je vais en mettre comme elle. Sauf qu'elle utilise un pinceau, donc c'est plus facile à mettre. On dirait que je fais un truc de bébé là, un coloriage. Donc elle applique ça. Elle applique ça avec le beauty blender, donc j'utilise un autre côté. Oh oh, je crois que je l'ai mis trop. Oula! Annie, qu'est-ce que t'as fait? Je vais mettre pause. J'ai fait n'importe quoi. Je vais en mettre du fond de teint. C'est n'importe quoi. Donc là, je vais mettre ça. Comment je fais pour enlever? Y'a pas une technique là pour enlever? Comment se trompe? Thank you.
C'est de pire en pire. Mamie, tu fais n'importe quoi. Attendez, je vais me laver le visage, je vais tout recommencer. On va retourner. Là, on se retrouve après le désastre. Donc, j'ai remis du fond de teint. Donc, on se retrouve à l'étape fatidique, là, où j'ai fait n'importe quoi, où j'en ai mis trop. Voilà. Donc, c'est de en mettre moins, du coup. Donc, on remet là. Voilà, comme ça, comme vous voyez là dans la vidéo, j'espère que je vais pouvoir remettre. Donc voilà, on a mis comme ça. Ensuite, elle a appliqué avec son Beauty Blender. Perfecto, comme elle dit. On va faire un contour là. Elle met un truc en pinceau, mais moi j'en ai pas, donc j'ai utilisé contouring de Black Up. Voilà, j'ai utilisé ce pinceau. J'ai essayé de voir si ça marche. Prendre le plus foncé comme elle a pris. Je mets comme ça. Comme elle a dit, on se trompe, on recommence. Elle a plus de tout que le blender, donc là je vais mettre ça et après je vais mettre au blanc. Je vais estomper avec le blender. On met là ici. Voilà. Elles veulent améliorer leur niveau, qui vont grave se frustrer parce qu'elles vont rater des trucs et tout. Ne vous frustrez pas, je vous jure, tout le monde se trompe. Le plus important, c'est pas de ne pas se tromper, c'est d'arriver à rattraper ou ne pas avoir peur de recommencer, en tout cas, parce que bon, tout n'est pas rattrapable, malheureusement. Ce que j'aime bien faire quand je mets un petit peu trop de produit pour le contouring, c'est que je reprends la même chose avec laquelle j'ai mis le fond de teint et la même chose avec laquelle j'ai mis l'anti-cerne et je blende. Je passe un petit peu par-dessus pour venir atténuer un peu quoi. Et là, je rajoute un petit peu de concealer. En ce moment, j'accentue beaucoup plus mon contouring qu'avant parce que j'ai pris des joues et ça ne me plaît point. Donc j'aime bien quand c'est bien creusé, tu vois. Donc elle a expliqué. Mon baking, j'utilise ça, la banane addict de chez Makeup Revolution. Je décidais de vraiment vous incorporer des petits. Oh, oui! Elle utilise un petit pinceau de ce type. Voilà, celui-là, c'est Adobe. Pas beaucoup, vous tapotez. Voilà, on va continuer. Donc là, on a appliqué le contouring et maintenant elle met du bronzer comme vous voyez là. Donc elle commence par là et elle fait comme ça. Donc du bronzer, j'en ai pas, je pense. Je pense un truc qui ressemble à ce bronzer là.
pigmentaire. Regarde, chez Nocibé. Donc là, c'est la palette Nocibé que j'ai dans le miroir d'ailleurs. Vous voyez ici. Donc voilà, Nocibé, c'est de l'année dernière, 2019. Donc c'est celle-là, là, celle qu'ils ont fait là, bah, à cette période-là, par exemple, Noël. Celle-là. Donc là, je pense que ça, c'est un bronzer. Elle utilise un gros pinceau quand même. Donc le plus gros pinceau que j'ai, c'est celui-là. Donc je vais l'utiliser. J'utilise. Oula, c'est très grand. On va bien fermer cette porte. Ça, c'est des pinceaux. Vous voyez, mais il y a même des pinceaux avec. Donc je vais utiliser celle-là. Celle-là. Que je vais mettre ici. Attendez. Voilà, donc je vais mettre, elle en met ici, là, sur les joues, comme si elle mettait du blush. Donc elle a dit, elle met beaucoup ici, après elle fait comme ça. Donc je vais utiliser, je vais changer de pinceau, je vais utiliser celui-là, le plus petit pour le prendre. Donc, comme dans les cheveux. Pour enlever le surplus, en fait, j'enlève le surplus dans les cheveux. Et ensuite, je descends comme ça. Sur les yeux, il y a tout ça. Ici, ici, il y a même un plastique dessus parce qu'elle a jamais été utilisée. Donc elle met de la poudre ici pour au cas où s'il y a du surplus. Donc je vais faire ça. En fait, la différence c'est qu'elle, elle utilise une poudre qui est grave plus claire. Genre en dessous des yeux, du coup, c'est ça qui marque la démarcation genre sur son visage. Voilà, j'en ai mis un peu plus d'un nez que l'autre. Section de 2019. J'ai utilisé leur pinceau. Non. J'ai utilisé un pinceau. J'ai utilisé un pinceau chrome. Donc j'ai utilisé un pinceau à peu près comme ça. Donc je vais mettre le beige qu'elle a pris. On va faire que les deux. Et j'aime trop faire ça. Je suis plutôt confondue, je prends un pinceau plus long. Ah bah trop vite là. Doucement ma chérie. Doucement. Donc elle, elle a mis comme ça. Je ferme les deux yeux, amie, quand tu vas voir ce que tu fais. Une galère, les trucs qui plient. La paupière mobile, comment ça s'appelle? C'est pour mettre zim. Voilà. Moi j'en ai mis grave au centre. J'ai pas les mêmes yeux.
Voilà. Donc, on va continuer. Là, je vais mettre de la couleur ici. Ripe. Et ici. C'est donc un là, je vais vert. Continuer les yeux, le creux. Et là, je vais mettre Ecstasy. Donc, elle a mis du vert et moi, j'ai utilisé du bleu. Ouh. Ce que je fais, c'est que en fait, je blende sans blender. Je remonte un peu vers le haut, je redescends un peu vers le bas. Voilà. Tellement beau ce vert là, waouh. Donc là, je vais venir en prendre et je tapote dans le coin pour que ce soit un peu plus intense dans le coin. C'est comme ça qu'elle a fait. Oh, c'est trop. On va regarder. Alors, prends un pinceau comme ça. On met le bleu, on met ce bleu là. Celui-là. Je fais la même chose partout. On va enlever ici là. Et moi, si j'ai la main souple, donc ça va être n'importe quoi. Donc mieux vaut que j'ai la main dure. Donc voilà. Donc ça fait que j'ai pas la même chose des deux côtés. Donc cet œil il est plus beau que celui-là. Voilà. Mais c'est n'importe quoi. Donc là j'ai mis les deux. J'ai pas un truc pigmenté là. Non, j'ai pas de truc qui pigmente, qui fait waouh. Donc je vais mettre une grosse couche de bleu comme ça. Oh, grosse couche de bleu. Bon. Donc voilà, on continue, on recommence l'action. Donc voilà, on va dire que ça passe. Donc on continue, on a fini les yeux, je pense. Enfin, en tout cas, le maquillage des yeux, elle l'a mis vert, moi j'ai mis bleu. Elle va utiliser des faux cils. Moi j'ai des fossiles magnétiques que j'ai acheté, je ne sais plus où. J'ai essayé de les utiliser. Elle a utilisé avec la colle. Ceux-là, je les ai jamais réussi à les coller, donc là peut-être je vais réussir. Ah merde, il en manque un. Oh, je peux pas les mettre, il en manque un. Ils sont là, ça accroche comme ça là, Clément. Essayez de les accrocher. Vu que je ne sais pas mettre de fossiles et que j'en ai pas sur moi, j'ai pas envie d'en utiliser. Enfin, j'en ai chez moi, mais j'ai pas envie d'en utiliser pour le make-up. Recouvrons nos cils. J'ai les cils vraiment courts, hein, moi. Dommage que je n'ai pas de... Putain, mais c'est mal. Dommage que je n'ai pas de... Donc voilà. Là, je pense qu'on voit la différence. Ah, j'essaie de me rassurer tant que je peux. Attendez, on se rapproche. Rapprochez-vous, comme... donc voilà. Donc, elle fait quoi après, quand elle a fini les yeux? Parce qu'elle parle tellement vite.
elle colle ses faux cils. Donc ensuite, elle enlève le surplus de poudre que j'ai fait tout à l'heure. Du blush. Le blush, il est ici. Donc elle, elle a utilisé un clair quand même. Donc après elle utilise de l'highlighter, moi j'ai de l'highlighter en liquide qui... Je sais pas si je dois le mettre sur le pinceau ou sur, sur moi. Ça a séché, du coup c'est empâté. Oula, je pense que j'en fais trop, ça brille. Voilà, donc on continue. Donc maintenant, elle met du mascara. Moi, j'ai utilisé celui de Maybelline. C'est un waterproof snapscara. Il s'appelle comme ça. Donc voilà. J'essaie d'étirer au maximum mes cils. Rouge à lèvres pour les lèvres, enfin pour les lèvres de vie. Moi qu'est-ce que je vais faire? Moi je n'ai pas les couleurs qu'elle utilise, donc je vais utiliser, je vais faire la même chose qu'elle, mais en utilisant du rose, enfin du rouge et du rose. Donc là je vais chercher les trucs qui arrivent. Donc on va faire les lèvres. Donc là on va faire les lèvres, si je regarde en bas c'est parce que j'ai le miroir. Donc elle, comment elle fait? Donc elle fait le contour des lèvres avec un crayon. Donc moi j'ai le crayon. Donc on va utiliser ces deux couleurs, on va faire avec ça. Donc on va utiliser le mat liquide numéro 10. Ça va atteindre 10. Donc elle a pris un truc foncé. Oula, le tard. J'aurais juste sorti la plage. Donc voilà, on fait comme ça. Donc ensuite, elle a mis ça. C'est un désastre. Je crois qu'elle a fait ça. Hein. Ah, c'est pour ça que ça va être couché. C'est au mental. Ça fait gonfler les lèvres en fait. Ah oui, d'accord. J'avais pas capté pourquoi ça allait coucher, mais. Il y a un numéro 9. Maintenant, je vais mettre un petit peu de gloss. Donc, comme gloss, je vais mettre ce gloss qui. Voilà, et quand je suis, je vais mettre un petit peu de ce gloss morphé qui s'appelle Frosé. C'est un gloss sur le papier.
Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais rejeter un petit peu de la liqueur parce que. Donc après, je mets un truc transparent qui est dans les trucs en double. Pas faire ça, hein. Juste que je n'ai pas de gloss. Donc je vais mettre le spritisateur chez Morphe, lui, je ne l'ai jamais testé encore. J'espère que ça va être bien parce que bon, j'ai fait un petit peu de maquillage. Oh, c'est beau! La bouche, je trouve qu'elle est trop belle. C'est la première fois que j'arrive à faire un truc comme ça, genre dégradé. Donc elle rajoute de l'highlighter. Bah moi je vais rajouter aussi de l'highlighter. Et de la poudre. Mais de la poudre d'abord. Donc voilà, c'est le résultat du make-up. Je pense que j'ai assez géré. Pour une débutante, on peut dire que... Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que le make-up vous a plu aussi. Je vous montrerai des photos pour voir mieux le résultat. Parce que là, avec la luminosité, j'ai du mal un peu pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Je trouve que c'est beau. Je me vante pas, mais voilà quoi. On va dire que j'ai géré pour une débutante. Je m'attendais à pire. Faut dire que aussi dans la vidéo, Yanis elle explique grave bien. En plus, elle utilise des techniques assez simples. Donc voilà. Vous me dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo de ce type. Et surtout, notez le make-up sur 10. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avant de la quitter, là, likez, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss !